Le directeur financier et général d'IKEA France en garde à vue. Elles ont débuté hier soir dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de surveillance illicite des salariés et des clients qui pèsent sur le groupe suédois. Une dizaine de personnes ont été mises en examen depuis 2012 et 4 policiers également pour échange d'informations présumées.